확실한 실전감을 쌓을 수 있다. 학생 지도를 맡은 에릭 로베르 교수는 프랑스 최고의 장인상을 받은 인물. 프랑스 국기 장식이 있는 조리복은 바로 그들만이 입을 수 있다. 최고의 요리사와 함께하는 주방은 늘 진지하다. On apprend à gérer le temps. On apprend à être très autonome parce qu'une fois qu'il est confiant, vous avez vu, chef Monsieur Robert nous laisse gérer. Donc c'est surtout les cuissons, on apprend toujours les cuissons, les petites erreurs, les petits assaisonnements, comme tout à l'heure sur mon premier skin de là. Le chef, je l'ai vu quand je l'ai envoyé qu'il était trop fade, mais le chef a repris, il peut me dire de faire attention. Donc c'est ça, il y a toujours une petite évolution chaque jour, les erreurs qu'on fera plus après. Dédio, 식사 시간이 다가왔다. 홀에선 매니저와 학생들이 손님 맞을 준비를 하느라 분주하다. Là, le paysage, la fenêtre, la tour Montparnasse. Bon, il faut l'imagination, mais... D'accord? Attention quand on décale les assiettes. Non, ici, là et là. Les assiettes... Vous vous souvenez pas, les couverts ont toujours été comme ça. Donc là, vous décalez un peu la table, parce que sinon vous ne circulez pas. Hop, et on les décale. Et on triche un peu, vous désaxez. D'accord? Pour pouvoir mettre, parce que sinon c'est coincé, là. Donc vous trichez toujours un petit peu. D'accord? 깐깐하기로 정평이 나 있는 셀린 라스시옹 교수. Qu'est-ce que vous lui approchez tout à l'heure? En fait, c'est l'agencement des clients par rapport à la table. Donc, en fait, le client, il faut bien prendre en compte qu'il va être assis pendant une heure et demie, deux heures. Et donc, qu'est-ce qu'il va voir pendant cette heure et demie ou ces deux heures? Donc, en l'occurrence, la table là-bas, il regardait la porte de l'office. Donc, c'est-à-dire tous les va-et-vient des serveurs qui vont aller en cuisine. Donc, ce n'est pas esthétique. Et en ce qui concerne les clients ici au milieu, ils vont regarder en mur. Donc, c'est pareil. 매니저학과는 조리학과와 함께 레스토랑에서 실습을 하는데 일을 하는 동안 학생들은 잠시도 긴장을 풀 수가 없다. OK, regardez vos tables. Ça vous convient? Comment vous voulez vérifier si vous touchez pas les chefs? Prenez les verres à 20 avant de les verres à haut, sont pas faits, donc on va éviter d'attendre. D'accord, par contre, moi je prends le verre, je vérifie. Hop. Comment voulez-vous vérifier? Ça vous tombe pas du ciel, hein? 사소한 실수가 손님의 기분을 상하게 할 수도 있다. 그 때문에 교수는 빈틈없는 상차림을 강조한다. 한편 주방에선 음식이 완성됐다. 아침 7시 30분부터 수십 명의 학생들이 공들여 만든 음식. 처음 음식을 맛보는 이들은 교수들이다. 그들의 입맛을 만족시키지 못한다면 손님 상에 음식을 내놓을 수가 없다. Non, mais j'ai bien compris quand il m'a dit c'est parce que c'est froid que tu en mettais pas. Mais le client, il faut qu'il mélange en fait le pesto avec. Ça c'est super, mais c'est pas de l'aubergine. Si tu n'as pas de pesto, c'est juste les autres. Voilà. Non. Il n'est pas fat. Alors ça? Moi, je trouve qu'il me manque de la purée là-dedans. Hein. Non? Ça fait, ça il est là, il est là, c'est Eric qui l'a. Bonjour. 음식은 각각의 재료가 서로 어울려야 제맛이 난다. Tiens, on a un nouveau vin à la carte. 시식을 한 교수들은 음식의 맛에서부터 재료들 간의 조합, 음식을 다룰 때 유의할 점 등을 폭넓게 지적한다. Et bien évidemment, on ne met pas ses doigts sur la tourte comme le fait M. Dumont. Regarde, il se croit, regarde, voilà. Il ne faut pas appuyer. Vous voyez comment, vous ne coupez pas, vous écrasez. Droit, mais il n'était pas, pas là à la démo. Alors, les plats ont bien été préparés par rapport aux fiches techniques, aux recettes. C'est à peu près cohérent avec la recette. Maintenant, il manque de l'assaisonnement. Donc on va leur dire qu'il faut saler un petit peu plus, un petit peu de poivre ici. Mais autrement, c'est 90% bien. 교수들이 지적한 사항은 곧바로 개선해야 한다. 학생들에게 끊임없는 노력과 변화를 요구하는 것이다. Parce que les habitudes alimentaires des gens changent, les besoins des gens changent, la vie professionnelle, les gens mangent beaucoup à l'extérieur maintenant, donc il faut adapter la nourriture à ces gens-là. Il faut avoir des menus rapides, des menus moins rapides, voilà. Et,
c'est un menu, qui, c'est un métier qui est vivant, qui est très très vivant, et on ne peut pas s'ennuyer dans ce métier. Donc si on l'aime, il n'y a pas de problème. 잠시 후 레스토랑에 손님들이 몰려오기 시작했다. 이미 이 레스토랑은 학생들이 개발한 음식을 판매하는 곳으로 유명하다. 손님들의 기대 또한 크다. 주방에선 드디어 전쟁이 시작된다. Ça marche, deux couverts, table 20. Une raviole, une courte pour un, pour suivre un rouget. Eric Lobel 교수 또한 팔을 걷어붙이고 나선다. 최고의 요리사를 꿈꾸는 이들이 만든 정성어린 음식. 과연 손님들은 어떻게 평가할까? Bah, c'est très bien, on goûte, hein, vous avez vu, on fait goûter tout le monde. Et puis on a pris des plats différents. Non, c'est excellent, hein, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on a pris ? Enfin, on a, à chaque fois, on essaie de varier, on a pris chacun un plat différent. Voilà, moi, j'ai pris le bœuf, carotte, voilà, c'est la principale. Par exemple, c'était très bien, avec trois types de carottes différentes, c'était vraiment très bien. Ah bah, c'est toujours des repas haut de gamme.